Le son, c'est bon. La caméra, c'est bon. Il manque juste la lumière. Ah oui. Choisissez la couleur que vous voulez. Vous avez bleu, orange, normal, blanc, jaune. Voilà, c'est les trois couleurs. Choisissez. J'avais très peur de faire cette vidéo qui visiblement sort si vous la voyez. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept, le dernier de 2020. Un concept qui s'intitule l'incollable de Marvel. Je redoutais énormément de faire ces vidéos parce que ça va mettre à rude épreuve mes connaissances sur Marvel. Et je pense que ça peut être intéressant de vous partager ces quiz pour savoir à quel point je suis un incollable ou non sur Marvel. Étant donné que j'ai vu tous les films du MCU pratiquement 20 fois, 30 fois chacun, je pense vraiment que je suis un gros incollable. Mais ce sont des quiz qui vont aussi aller chercher dans les détails, les moindres détails de chaque film. La différence avec un quiz habituel, c'est que là on s'intéresse à chaque film du MCU qui est sorti. Le premier aujourd'hui, c'est Iron Man 1. Et quand on arrivera au bout de ce concept, c'est que Marvel n'aura plus sorti de film au cinéma, mais on y est très loin. Et donc pour aujourd'hui, pour commencer, je vous propose un premier épisode sur Iron Man 1. Je vous mettrai le site des quiz en question, mais là on est sur Marvel Story, mais vous aurez le lien en description évidemment. Sans plus tarder, on va s'attaquer aux questions. Il y a au total 20 questions par film. Aujourd'hui, je vous propose les 20 questions d'Iron Man 1, et la prochaine fois, on fera les 20 questions de l'incroyable Hulk. Autant dire que si sur Iron Man 1, je n'ai pas au minimum 18 sur 20, je vais commencer à me poser des questions. On commence par la première question. Comment se nomme le groupe terroriste qui a kidnappé Tony Stark dans Iron Man 1? Le Mandarin, les 10 anneaux, Hydra ou l'AIM? On peut déjà enlever Hydra puisque ça concerne plus Captain America que Iron Man. Pour cette question, c'est plutôt simple, c'est les 10 anneaux. En plus, dans la phase 4, il y a un film qui va sortir sur Shang-Chi et les 10 anneaux. Deuxième question, pour quel magazine Christine travaille-t-elle? Alors ça, je vous le disais tout à l'heure, ça va vraiment rentrer dans les détails. On a Variety, BBC, Vanity Fair et Fox News. J'en ai absolument aucune idée. Variety, je pense pas, parce que c'est totalement réel. Il y a vraiment un journal qui s'appelle Variety. Je pense que c'est Fox News. Je prends le risque de prendre Fox News pour cette deuxième réponse. On verra si j'ai juste à la fin. Troisième question, pour quelle raison Tony Stark décide d'arrêter de produire des armes? Alors ça c'est plutôt simple, car l'armée américaine tue des civils avec? Non. Car elles ne sont plus rentables? Absolument pas. Car il va produire des armes pour le gouvernement? Non plus. Car elles finissent dans les mains des terroristes? Absolument. Quatrième ou cinquième question, j'ai déjà oublié, qui a réalisé Iron Man? Shane Black, non. Joss Whedon, non, c'est le réalisateur d'Avengers. Joe Johnston, non plus. C'est Jon Favreau qui a réalisé le 1, le 2 et qui joue dans le rôle de Happy. Justement, c'est le gars que vous voyez au milieu là. Cinquième question, par quelle phrase se termine Iron Man? Je peux pas vous le montrer, mais j'ai commandé la figurine pop du claquement d'os d'Iron Man qui, j'espère, arrivera bientôt et qui se mettra. Alors je pense que clairement je la mettrai là où il y a Black Widow et je passerai ça là ici. Mais évidemment c'est je suis Iron Man, il n'y a aucun doute, évidemment. Question suivante, comment se nomme le meilleur ami de Tony Stark? James Rhodes, Happy Hogan, Obadiah Stane ou Bruce Banner? Alors en théorie, puisque là il nous montre James Rhodes, mais ça pourrait être aussi Happy Hogan. Mais je dirais quand même que c'est James Rhodes puisque c'est lui qui prend War Machine par la suite. Question suivante, quel élément constitue le cœur du réacteur arc de Tony Stark? Titanium, palladium, terranium, uranium. Alors, je pense sans broncher dire que c'est le palladium. Il me semble à plusieurs reprises que Jarvis dit le mot palladium, donc je pense que c'est palladium. Où Tony conçoit et fabrique-t-il sa première armure? Dans une grotte afghane, dans une grotte indienne, pakistanaise ou syrienne? Alors là par contre, alors c'est pas MGM. C'est pas pakistanaise. J'hésite entre la grotte afghane et la grotte syrienne. Et je sais plus exactement qui sont les terroristes en question dans le premier film. Je pense que c'est dans une grotte afghane. Ça pourrait être une grotte syrienne, mais je suis pas sûr. On verra à la fin. S'il faut, je vais me choper une note de merde. Dans quelle branche de l'armée travaille Rudy? L'US Navy, Marines, l'US Air Force ou le SEALS? Alors c'est clairement l'armée de l'air, du coup ça serait US Air Force. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur ça. C'est US Air Force. Question suivante. Au total, combien d'armures sont créées par Tony Stark dans le premier Iron Man? 3, 1, 4 ou 2? Alors, il y a le Mark 0, donc la version qu'il utilise dans la grotte. Il y a le Mark 1 qu'il n'utilise que pour essayer de voler. C'est l'armure grise, sans qu'il y ait la couleur. Et il y a le Mark 2 avec les couleurs au jaune, enfin jaune et rouge. Du coup, je dirais 3,
Normalement, il n'en a pas construit 4 que lui a construites. Hein. Je compte pas celle que Obadiah a construite ensuite, qui reprend le prototype 0. Mais normalement, par Tony Stark, il y en a 3. Que signifie Jarvis? Ah, ça, je l'avais vu et je vais pas m'en souvenir. La 1, la 2 ou la 3? Là, pour le coup, c'est archi traite parce que ça se joue que sur deux mots. Il y a Vital et Very qui changent sur les deux premières. Alors là, pour le coup, j'ai une colle. Je pense pas que ça soit la 1. Je pense pas que ça soit Vital, mais ça serait plus Very. De mémoire, je dirais la 2, mais je suis vraiment pas sûr. La 3, ça pourrait être possible de par l'esprit de Tony Stark puisque c'est lui qui l'a créé. Je vais prendre le risque de dire la 3. Il pourrait très bien mettre une petite vanne comme ça dedans, donc voilà. De quelle couleur est l'armure Mark II? La réponse exacte, c'est or et rouge. Rouge et argent pour d'autres armures, mais le Mark II, c'est bien or et rouge. Quel est le nom de code des F-22 qui poursuivent Iron Man? Fury, Hammer, Whiplash, Force. C'est pas Hammer, c'est pas les industries Hammer, ça c'est dans le 2. Fury, si c'était le cas, j'aurais percuté, j'aurais fait le rapport avec Nick Fury, donc je pense pas que ce soit Fury. Mais Whiplash, ça me dit quelque chose. Je vais dire Whiplash, on verra bien. Quel est l'alias d'Obadian Stain? War Machine, Ironmonger, Firebrand ou Dynamo Pourpre? Bah c'est Ironmonger, c'est le nom de l'armure, justement. Comment se nomme ce personnage? Oh merde, je sais pas c'est qui. Raza, Aboubakar, Mustapha, Sayed. C'est le chef des terroristes qui enferme Iron Man dans la grotte. Je dirais la dernière, je sais pas comment ça se prononce, mais il me semble que Obadian il appelle à un moment donné comme ça. Je dirais quand même Sayed et on verra bien si j'ai juste ou pas. Mais il me semble que c'est ça, ça me paraît plus logique. Quel personnage apparaît dans la scène post-générique? Phil Coulson, Nick Fury, Bruce Banner ou Pepper Potts? Bah c'est Nick Fury, tout ça. Ah non, attends, Phil Coulson, non, c'est à la fin du 2 et même il apparaît tout le long du 2. J'ai un gros doute avec Nick Fury parce que normalement, Nick Fury, c'est à la fin de l'incroyable Hulk qui tease les Avengers. Ce serait peut-être le Bruce Banner de l'incroyable Hulk, mais je dirais quand même Nick Fury parce qu'il me semble que c'est la scène où il est chez lui et qu'il le voit à côté d'un piano. Et je pense que c'est Nick Fury, voilà. Ok, donc déjà on est juste, et à quoi fait-il référence? Il fait référence au projet Initiative Avengers, évidemment. De quel groupe de rock sont tirées certaines musiques du film? C'est bien évidemment AC/DC, aucun doute. Les deux dernières questions. Quel est le nom du missile que présente Tony Stark? Ça c'est Jericho, je m'en souviens très bien, cette scène elle est légendaire. Jericho, aucun doute. Dernière question, quand apparaît Phil Coulson pour la première fois? Lors de la conférence de presse consacrée au retour de Tony Stark, je pense que c'est ça. Lors d'un rendez-vous avec Pepper Potts, non, puisqu'ils n'ont pas eu de rendez-vous. Au siège du SHIELD, non, c'est quand ils se recroisent pour prendre le rendez-vous. Il faisait partie de la garde rapprochée de Stark non plus, c'était pas encore le cas. Du coup, c'est de la conférence de presse lors de son retour. Le quiz est fini, intéressons-nous aux questions où j'ai faux, évidemment. La première, c'est comment se prénomme ce personnage? Non, c'est pas Saïd, du coup, mais il ne dit pas la bonne réponse, dommage. De quelle couleur est l'armure Mark II? C'est pas or et rouge, pardon. Là, je serais curieux de savoir c'est quoi la bonne réponse, par contre, parce que je suis persuadé à 300 000% que c'est or et rouge, ça peut pas être autre chose. Que signifie Jarvis? Du coup, c'était pas la troisième réponse, c'était une autre, alors je sais quand même pas ce que c'est. Je vais quand même aller voir sur internet juste après, mais ça, j'avoue que je pouvais pas trop savoir. Le magazine, c'était pas Fox News. Ok, 4 mauvaises réponses, ce qui fait pour moi que j'ai une moyenne de 16 sur 20 sur le premier Iron Man. En vrai, j'ai chuté sur des questions un petit peu de détails sauf celle-là, mais je comprends pas comment ça peut pas être or et rouge pour Mark II. Du coup, 16 sur 20 sur le premier Iron Man, ça va. C'est correct. J'en ai donc fini pour ce premier épisode de l'incollable de Marvel. N'hésitez pas à aller faire votre quiz de votre côté et à me donner votre note sur 20 dans les commentaires. On se retrouvera la prochaine fois sur le quiz du film L'Incroyable Hulk. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était votre Captain Marvelous. Ciao.